Non, la mesure, on est conscient de cette attente, c'est normal qu'on la ressente et c'est bien, ça fait partie des obligations qu'on a quand on joue ici, quand on entraîne ici. Oui, il faut en être conscient, mais il ne faut pas non plus en faire une fixation. Les joueurs l'attendent tout autant que les spectateurs ou les supporters ou les partenaires. Tout le monde attend cette victoire. Elle viendra si on fait ce qu'il faut, et toujours un peu dans la même logique que ce que je dis, c'est toujours la conséquence de notre travail qui vient récompenser les choses, et c'est pas de mettre d'abord l'objectif ou en tout cas la cible. La cible, c'est la victoire, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? C'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. J'ai envie de garder confiance en eux, de continuer de se créer des occasions, que chacune des occasions qu'on a ne doit pas être vécu comme un. On doit se donner le droit, on doit se dire qu'on a le droit de marquer des buts, on a le droit de gagner des matchs à Bonal, on doit garder une conviction profonde que c'est quelque chose qui tourne, qui va tourner, et pas penser que c'est une fatalité. Si on n'a pas mis les buts, c'est la faute de personne d'autre que nous. Voilà, donc c'est pas une tierce personne ou un élément extérieur qui fait qu'on est maudit. On n'est pas maudit, on n'est juste pas suffisamment efficace, et l'efficacité, c'est quelque chose de palpable. Pour reprendre tous les termes que vous venez de donner, certaines de nos occasions ne sont pas concrétisées par un manque de conviction, parfois un mauvais choix, parfois une lacune technique. Pour chacune des occasions, en fait, on peut trouver un remède ou en tout cas une explication différente. Mais d'une façon générale, finir dans la surface de réparation, ça demande du sang-froid et ça demande une justesse. Si, parce que la confiance vient nourrir aussi la réussite dans le futur, mais on n'a tellement pas de temps, et la finition, ça demande c'est énergivore en termes de musculaire et en termes de frappe de balle, ça demande beaucoup de choses, et on est rentré. Voilà, on est tellement dans l'enchaînement de matchs qu'on peut pas. Les gens qui ont peu joué hier ont travaillé dans le but. Les gens qui ont beaucoup joué, ils ont quasiment rien fait depuis Versailles, parce que ça serait les amener à la blessure et ça mettra en danger notre match de demain. Donc non, on est dans une période où on ne peut pas travailler. Malheureusement, c'est rageant pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir travailler en situation sur le terrain, et on peut le faire qu'à travers de la vidéo ou des échanges et de la discussion. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on n'a pas le temps de refaire le monde. Il faut basculer sur le match d'après, il faut garder confiance. Les joueurs ont de la qualité technique, et avec une bonne qualité technique, on marque des buts. Donc, voilà. Je nous trouve en progrès, mais je suis d'accord avec vous sur l'analyse. Je trouve que ça met du temps, mais voilà, si on regarde les choses de façon très très concrète et rationnelle, sur les 3 derniers matchs, on a concédé une occasion à Rouen, but. Je dirais que Versailles, on a fait une erreur sur une perte de balle au milieu de terrain à un moment donné. Et ils ont une situation et un but sur un coup de pied arrêté, mais ils n'ont pas grand-chose pour une équipe qui a quand même un potentiel offensif certain. Et au Mans, à 10 contre 11, voilà, c'est quasiment des erreurs individuelles qui font le résultat. Mais au final, dans l'aspect collectif de la défense, on est de plus en plus consistant. Il faut qu'à l'intérieur de ça, on gomme la petite erreur qu'il peut y avoir à un moment donné, ou le manque de concentration. Mais l'équipe, je trouve, avance dans ce domaine-là. Il faut gommer. Je dirais que c'est comme pour la finition, en fait. Il faut que chacun élève encore un peu son niveau et son degré de concentration. Ouais, il doit faire référence à nos vieilles joutes passées. Surtout de jouer contre lui, c'est souvent spectaculaire, parce qu'il a un football très ouvert et très axé sur l'offensif. C'est l'équipe qui frappe le plus en national, c'est l'équipe qui a le plus gros expected goals de toute la division, et qui a, je crois, la meilleure ou une des meilleures attaques, mais aussi la moins bonne défense, je crois. Donc les chiffres viennent étayer ses propos. Moi, j'espère que le match sera un peu plus sous contrôle que ce que lui va vouloir, parce que on est dans une période de match très rapprochée, nous on a besoin de contrôle. Par contre, il va falloir qu'on l'emballe, et qu'on l'emballe sur des temps bien ciblés, avec des moments où on va être capable de les mettre à mal, de les pousser dans leur retranchement. Et que pour le reste du temps, on sera suffisamment mature pour contrôler le tempo. Mais oui, sans doute que ça va être conforme aux traditions. Oui, je le connais très bien. Je connais très bien le président, qui est un ami. Je peux que saluer leur parcours. C'est un club au-delà de l'équipe première qui a toutes ses équipes au plus haut niveau. Alors peut-être que l'année dernière, ils ont les 17 qui sont descendus, ou les 19, je sais plus. Mais le président me disait souvent, on a une seule équipe qui peut monter dans tout le club, c'est la Nationale en Ligue 2. Toutes les autres, ils avaient une réserve en N3 l'année dernière. Enfin, c'est fou, avec des moyens très limités, mais c'est le fruit d'un travail de fond, avec très peu de moyens, mais un environnement propice à tout ça. Et les saisons, à chaque fois, on les annonce dans les potentiels relégués, et ils déjouent tous les pronostics, avec des parcours en coupe souvent, avec des joueurs qui viennent se relancer ou qui viennent se révéler au grand public avant. Non, ils font un, voilà, c'est un très 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 bon club amateur, qui travaille comme des pros, mais avec le statut amateur.
Bah, Rouen, je m'attendais à un match ouvert et ils ont quasiment pas ouvert le jeu. Ils sont pas sortis. Quand ils l'ont fait, ils nous ont fait mal, mais peu. C'est pas tout à fait le même style d'équipe. C'est un football. Damien, il est originaire de Colmar, donc il est très inspiré par la Bundesliga. Donc son football est souvent très, très basé sur les transitions. Donc oui, il va y avoir des transitions. Ça va être à nous d'être intelligents. Mais oui, ça risque de ressembler à un football comme Rouen est capable de le faire. C'est dur à dire parce que les joueurs m'ont étonné quand même sur l'aspect athlétique déjà à Versailles. M'ont surpris. On peut jamais savoir quand est-ce qu'on paye l'addition. Il y a toujours une addition. Parfois elle est plus tard. Parfois tu la payes tout de suite. À chaque match, un peu la grande inconnue pour nous, c'est de savoir comment on va réagir. Il faut qu'on soit concentré sur l'entame. C'est souvent les entames qui sont délicates et les derniers quarts d'heure. Au milieu, ça doit pouvoir le faire. Mais les joueurs m'ont l'air d'avoir bien récupéré. On a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. Dans ce cadre-là, c'est souvent un plus parce qu'ils récupèrent plus vite. Et les têtes sont fraîches. La dynamique de groupe est encore très bonne, très positive. Il y a du dynamisme. Les joueurs ont envie de jouer. C'est plus la lassitude mentale qui parfois amène la lassitude physique. Mais là, je sens des joueurs qui sont. Hier, ils sont sortis très tôt de l'entraînement. Les 11 garçons qui avaient démarré chantaient qu'ils avaient encore envie de jouer. Donc tout ça, c'est des signaux qui sont plutôt positifs. Moi, j'adore la coupe. Donc. Le parfum de la coupe, c'est toujours un moment particulier. Alors démarrer si tôt au cinquième tour, ça faisait longtemps, mais oui, je sais que c'est le fief de la famille Pinault, qu'il y a le maire qui est le papa de Thibaut Pinault. Voilà, c'est sympa, ça fait partie de la grande histoire de la coupe. C'est des affiches qui sont totalement improbables en début de saison. Et voilà, on ira à Mélisée avec plaisir de nous déplacer, même si je sais que les conditions de jeu seront plus que particulière, mais c'est comme ça, on est en national, il faut assumer ce côté-là, il faut pas compter sur moi pour pleurer de pas jouer sur un bon terrain, on s'adaptera et on fera de notre mieux possible pour s'adapter au contexte. Chacun a son échelle de valeur, donc voilà, je pense pas que ce soit banal, mais voilà, encore une fois, on s'adaptera à tout ça. Si, il faut l'avoir en tête, on sait que les supporters, ils attendent une victoire. On va pas parler de la saison dernière parce que voilà, cette année c'est un nouveau groupe, c'est tout nouveau, mais cette saison on n'a pas encore réussi à gagner, donc bien sûr qu'on l'a en tête et on a vraiment envie de gagner pour nous, pour les supporters, pour tout le monde, donc on se prépare bien à ça et on est confiant. Ouais, il faut continuer à être déjà solide défensivement, je pense que c'est important. Sur le match à Versailles, je pense qu'on a été solide. Toute l'équipe a bien travaillé défensivement. Et après, voilà, il faut réussir à marquer. On a eu dans le jeu des bons enchaînements. Je pense qu'on a fait vraiment un bon match. Et c'est juste voilà, ce petit détail de marquer des buts qui va venir, parce qu'on a beaucoup de qualité devant. Et je pense que ce week-end, ça va payer. Ouais, ça, c'est un bon test. Après, de toute façon, peu importe les équipes, nous, on se focalise sur nous, donc peu importe l'adversaire, on sait qu'il faut être bon défensivement, mais c'est sûr que comme le coach nous a dit, c'est une équipe qui frappe beaucoup, qui marche beaucoup en transition, donc ouais, ça va être à nous d'être bon, d'être rigoureux, et c'est un bon test. Ouais, c'est beaucoup de buts où c'est des erreurs individuel, mais on peut pas pointer du doigt une personne parce que ça reste quand même l'équipe, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buts où c'est des erreurs. J'ai pas le souvenir qu'on ait pris beaucoup de buts dans le jeu, avec des buts vraiment construits. C'est à nous d'être vraiment concentrés du début jusqu'à la fin, et c'est là aussi où on doit être plus attentif, c'est rentrer dans le match directement dès qu'on rentre sur le terrain. Et après, être rigoureux jusqu'à la fin, quand l'arbitre siffle. On essaye de communiquer autant l'un que l'autre. Voilà, quand il y en a un qui va peut-être un peu moins parler, l'autre, il essaye de se faire entendre un peu plus. Et quand c'est l'autre qui est un peu moins bien, honnêtement, on essaye vraiment tous les deux de gérer la défense, de gérer les milieux. Après, les attaquants, c'est un peu compliqué s'il y a du bruit ou quoi, mais... On essaye tous les deux, en tout cas, de gérer. Et puis voilà, on essaye à l'entraînement de... Enfin, ça commence à l'entraînement, parce qu'avec Thomas, on se connaissait pas avant. Donc on discute, on parle beaucoup. Parce que c'est important d'apprendre, nous deux, à se connaître déjà bien.
et derrière de pouvoir aider l'équipe par la parole, par les remplacements, etc. Non, mais on a cette volonté de jouer, de repartir court, forcément. Après, c'est vrai qu'il y a eu certains ballons, notamment à Versailles, où je pense qu'on peut dégager le ballon un peu plus vite. On en a parlé avec le coach, avec Baptiste aussi. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette volonté de repartir court et de jouer. Je pense que c'est un peu notre identité aussi, cette saison. Je pense que c'est vraiment personnel, ça. Pour ma part, ça motive plus qu'autre chose d'être à domicile. Je sais qu'après, il va y avoir nos supporters sont là. Je sais que pour ma part, ma famille est là. Donc ça motive plus qu'autre chose. Après, ça, c'est chacun à son ressenti. Mais je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'on est attendu. Mais faut pas préparer le match, je pense, d'une autre façon. Il faut juste être concentré, comme on l'est à chaque match, et se dire que c'est un plus de jouer ici. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir encore beaucoup de monde ce week-end. Donc ça doit être que du plus, et il faut profiter de ça. Oh, c'est agréable. Déjà, d'être en France, c'est quand même plus facile pour la vie de tous les jours, que ça soit au foot ou en dehors. Mais d'avoir un rôle dans une équipe, c'est très agréable, ça nous met en confiance. Et après, derrière, il faut redonner cette confiance au coach, à tout le monde, au staff. Et moi, je suis content. Et c'est à moi de continuer à bosser, à faire des bonnes performances pour que je joue le plus possible et que j'aide l'équipe au maximum.